Bonjour à tous. Donc j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu différente de ce que vous voyez habituellement sur ma chaîne. J'ai envie que vous me découvriez un peu plus, qu'on fasse mieux connaissance et que vous voyez un petit peu mon univers personnel. Alors j'entends par mon univers personnel mon lieu de travail. Donc comme vous le savez, je suis styliste ongulaire, donc je travaille à mon compte. J'ai un petit magasin, donc j'avais envie de vous faire rentrer justement dans ma boutique, de découvrir un petit peu le décor, les produits qu'on peut y trouver, tout simplement voir ce que moi je vois au quotidien lorsque je suis en train de travailler. Donc bien sûr, il n'y aura personne, hein, pas de cliente, rien du tout, c'est simplement un petit tour des locaux en votre compagnie, voilà, tout simplement. Donc je vous laisse avec la vidéo de la visite guidée par mes soins qui suit tout de suite. J'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à liker bien sûr si vous aimez la vidéo, et n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, voilà, me dire un petit peu si ce type de vidéo peut vous plaire, si vous avez envie de voir d'autres choses me concernant. Je le ferai vraiment avec grand plaisir. Donc je vous laisse avec la découverte de mon univers quotidien et je vous dis à bientôt. Donc voilà, nous y sommes. Quand vous rentrez dans mon petit magasin, vous voyez déjà le bar d'accueil qui se trouve en face. Donc c'est ici, bien sûr, comme son nom l'indique, que j'accueille mes clientes et ensuite que nous procédons au règlement des prestations. Donc j'avance doucement, j'espère que ça ne va pas trop bouger, vous donner le mal de mer. Donc à côté de mon petit bar d'accueil, nous avons, comme vous pouvez le voir, une petite étagère avec des petits produits. Je vais essayer de m'avancer un petit peu. Voilà, vous voyez, il y a des petites boucles d'oreilles, des petits produits en tout genre, des petits soins pour les ongles, etc. Des crèmes pour les mains. Là, vous voyez, derrière mon bar d'accueil, voilà, mon petit coin café, on va dire, toujours Marilyn. Là, nous avons une petite étagère qui est juste à côté de mon bar d'accueil avec des petits produits, pareil, à la vente. Donc, vous avez des palettes de maquillage Peggy Sage, des petits coffrets pour le bain Marilyn Monroe, des petits parfums, des petites bagues. Voilà. Donc quand on regarde de l'autre côté, dans l'autre coin en fait, hein, de ma petite boutique, hein, parce que c'est vraiment très très petit, vous avez mon poste de travail. Donc là vous êtes en position de la cliente, voilà. Donc en face de vous, vous voyez ma lampe UV pour faire sécher le gel sur les doigts, bien sûr. Donc voilà, des petites marguerites de présentation de ce que je fais au niveau des ongles. Donc vous voyez, je fais vraiment beaucoup de choses différentes. Voilà, nous avons plein de modèles, Winnie l'ourson, des petits chats, des petits pingouins, les mignons, enfin voilà, plein de petites choses différentes. Donc ma lampe UV. À côté, nous avons encore des petits présentoirs, alors des petits ongliers avec les couleurs en fait de gel que je propose à la clientèle, des petits présentoirs de bracelets, etc. Je vais vous montrer ce que moi je vois lorsque je suis installée à mon poste de travail. Donc là, tout mon matériel, voilà, mes petits gels, ma petite bougie parce que j'aime bien que ça sente bon dans le magasin. En dessous, voilà, des petits rangements pour mettre tous mes produits. Et lorsque je suis assise à mon poste de travail, voilà, ben je suis en face de la vitrine, du côté intérieur, bien sûr. Donc, vous voyez, en face de moi, j'ai un petit jardin. C'est le petit jardin, en fait, de l'église, parce qu'il y a une église juste à côté. Donc, voilà comment se présente l'intérieur de ma vitrine et ce que je vois quotidiennement lorsque je suis au travail. Donc j'aime bien être en face de la vitrine. Donc sur le côté
quand mes clientes sont assises, en fait, sur leur côté, il y a donc une petite table avec encore des petits objets destinés à la vente. Et puis là, une étagère métallique, pareil, avec des vernis à ongles, des produits. Donc, je vais vous montrer d'un peu plus près. Donc, voilà les vernis à ongles qui sont à la vente. Voilà. Des petits baumes pour les lèvres, encore du vernis à ongles, des limes à ongles en verre, des petits rouges à lèvres. Et en dessous, encore des coffrets pour le bain, des bracelets, du parfum pour homme de marque Adidas, un petit panier avec des mascaras, du rouge à lèvres, enfin plein de petites choses. Voilà, pas très cher. Moi, j'aime bien voilà, que l'on puisse trouver en fait des choses sympathiques et pas chères. Et donc, bah, comme je vous l'ai montré, sur le devant, ma vitrine, donc avec des petites fleurs pour désigner le printemps. Voilà, donc dans ma vitrine, il y a quelqu'un qui passe. Dans ma vitrine, voilà, encore des petits vernis, des crèmes pour les mains, voilà, plein de petites choses. Et donc là, devant ma vitrine, nous avons deux chaises pour des personnes qui peuvent arriver un petit peu en avance au rendez-vous ou des personnes qui vont accompagner les dames qui viennent se faire les ongles. Et là, vous avez la porte d'entrée du magasin à laquelle j'étais adossée quand j'ai démarré la petite présentation du magasin. Et donc là, sur le dernier mur que vous n'avez pas vu en totalité parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir, en fait, nous avons un petit tableau avec les tarifs, donc je ne vais pas vous les montrer en détail, et une porte, voilà, qui donne dans la partie privée, en fait, du bâtiment. Ma petite horloge avec des petits macarons que mes filles m'avaient offert lors de mon tout premier magasin, voilà, quand j'étais sur Dijon. Et donc, voilà, pour finir, nous revenons sur le plan du bar d'accueil. Donc, c'est une toute petite pièce, hein, comme vous l'avez vu, donc il y a un petit peu beaucoup de choses hein, dans la même pièce, mais c'est assez sympathique, ça me suffit pour l'instant pour travailler. J'ai pas beaucoup de place effectivement, j'ai pas de toilette pour la clientèle, j'ai pas de lavabo pour la clientèle non plus, mais c'est un petit magasin provisoire et voilà, donc plus tard j'aurai un magasin plus grand avec plus de commodités, on va dire. Donc voilà, je vous ai fait découvrir mon univers qui et tout de rose et de paillettes. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur Marilyn Monroe. Et puis, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir.